Bonjour à tous, nous sommes toujours dans Siman Ainei. Aujourd'hui, on va commencer Seif Tet. Seif Tet, c'est un seif un peu élaboré, mais on va essayer de le simplifier. Le cas de Seif Tet, c'est un cas très simple, qui peut arriver souvent. Réhouven va chez Shimon et lui dit, tu me dois de l'argent. Et Shimon lui répond, peut-être, je ne sais pas. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Si Réhouven réclame à Shimon de l'argent, et Shimon lui dit, je ne sais pas si c'est vrai. Alors, le cas se divise en deux parties majeures. La première partie est la suivante. Nous dit le Shulchan Aruch dans Seif Tet, Maneli beyadra shilviticha. O shefkati beyadra. J'ai 100, j'ai un mané que je t'avais prêté, ou que je t'avais confié. Behala omer, et l'autre lui répond, Eini odea imilvitani o imifkata beyadi. Je ne sais pas si tu m'as prêté, je ne sais pas si tu m'as confié. Donc en fait, il remet tout en question. Il dit, je ne sais pas du tout si Bichlal, tu m'avais prêté des sous, ou si Bichlal, tu m'avais confié des sous. Qu'est-ce qu'il fait? Nous dit la Mishnah, dans Masechet Baba Kama, Daf Kuf Yudchet Amud Aleph. Ishava eset sheino yodea ou patur. Il prête serment qu'en effet, il ne sait pas, et il est patur. Ça, c'est ni yodea im hil vitani. Si je ne sais pas si l'autre m'a prêté, alors, je n'ai qu'à prêter serment que c'est vrai que je ne sais pas. Il faut quand même prêter serment que c'est vrai que je ne sais pas. Et je suis complètement patour. Nous dit là-bas la Mishnah néanmoins, Ve'im balatzet yedei shamaim, s'il veut s'acquitter vis-à-vis du ciel, parce qu'on a quand même un doute, on ne sait pas quoi faire. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Je ne peux pas dire non plus que je suis complètement propre vis-à-vis du ciel. Donc, nous dit quand même la Mishnah, Ve'im balatzet yedei shamaim, s'il veut s'acquitter vis-à-vis du ciel, yeshalem, il doit payer. Ça, par rapport au ciel, il faut payer. Par rapport au Bnei Adam, il ne peut pas être motzi bebedin, il ne peut pas lui sortir des sous au Beidin, et donc la chevoie et les poter et toto, il ne le rend pas tour, il ne doit plus payer. Mais par rapport au la Sejedei Shamaï, pour sortir, pour pouvoir s'acquitter vis-à-vis du ciel, pour ça, il doit en effet payer. Ça, il n'y a pas le choix. En tvuna ve en etza. Bien fait. Petite parenthèse. Va filu im ta'an trila ta'anat bori. Même si au début il a été Tohen Ta'anat Bari, je sais que je ne te dois pas de l'argent. On parle d'un cas qui diverge un peu de ce qu'on a vu jusque-là. Au début, Réhouven il vient chez Shimon et lui dit tu me dois de l'argent. Lui dit Shimon, pas du tout, je ne te dois rien du tout. Soit il n'y a jamais rien eu, ou soit je t'avais déjà remboursé, je ne sais pas. Et après, quand le Beddin lui dit alors prête serment, n'est-ce pas? Comme dans chaque tviat, mamon, comme à chaque fois qu'on réclame des sous, il faut prêter serment, je vois t'hesset. Quand le bête, il lui a dit, alors il faut prêter serment, tout d'un coup, les doutes se sont peu à peu apparus. C'est-à-dire, au début, Shimon lui dit, non, pas du tout, je ne dois rien du tout. Après, il dit, ok, alors jure. Il dit, ah, peut-être, mais je ne sais plus. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Il dit, le Shulchan Aruch, il n'y a pas de problème. Même si, au début, il a dit, ta'anat bari, je n'ai rien chez toi. Je ne te dois rien. Et quand on l'a forcé à prêter serment, tout d'un coup, il est revenu et il a dit, je ne sais pas si tu m'as prêté ou si tu m'as confié. D'accord? Donc, on part d'une ta'anat bari à une ta'anat shema. Au début, il dit, je suis sûr que je ne te dois pas, et après, il dit, finalement, j'ai un doute. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Il prête serment qu'il ne sait pas, et il est patour, il est complètement exempté. Qu'est-ce qui se passe ici dans ce deuxième cas qu'on a vu? En fait, c'est juste une variante du premier cas. Le premier cas, c'est celui de Eini Yoda Emil Vitani. On va tout de suite voir le deuxième cas. Mais là, on parle d'une variante du premier cas, du Eini Yoda Emil Vitani. C'est un Eini Yoda Emil Vitani qui a commencé par Eini Chayav Lecha. Ça veut dire, c'est un je ne sais pas si je t'ai emprunté, mais au début, il a commencé par dire c'est sûr qu'il n'y a rien du tout. Alors, dans ce cas-là, que se passe-t-il? Du tout, il n'y a pas de problème. Prête maintenant serment que tu ne lui dois rien et c'est OK. Ça touche une sougia qu'on va voir Bezrat Hashem par la suite dans Siman Pei. Siman Pei, le Shulchan Aruch nous parle d'un cas qui rapporte dans la Gemara de Baba Batra, Daf Lamed Aleph Amud Aleph. Il s'appelle To'en Vehozer Vetoen. Est-ce qu'une personne dit une ta'ana, elle a une version des choses, et après elle a une deuxième version des choses, d'accord? On sait, l'Avdil Elef Alfer Vdalot, dans le droit laïque, on n'a pas le droit de changer de version. Si quelqu'un change de version, il perd crédibilité. On a le droit de changer des versions juridiques, on n'a pas le droit de changer des histoires. Si on change l'histoire, les faits, on perd la crédibilité. Dans la halakha, ça c'est intéressant, on a le droit d'être Ozer Vetoen, on a le droit de changer les faits, si le résultat des faits est pareil. Ça veut dire,
Si dans ma Ta'ana Aleph, dans ma première version, je suis Patour, et dans ma deuxième version, je suis aussi Patour, ça veut dire que j'ai le même résultat dans les Ta'anot, j'ai le droit, pas de problème. Par exemple, je peux commencer par dire je te dois rien, parce qu'il n'y a jamais eu de prêt, et après je peux dire oui, il y a eu un prêt, mais je t'avais remboursé. Pourquoi? Parce que ça s'appelle Toen vechozer vetoen minaptour el aptour. D'une exemption à une exemption. C'est-à-dire que le résultat de deux Ta'anot est pareil. Donc ici aussi, chez nous, quand le monsieur il a commencé par dire Lo ayudvarim meolam, par exemple, au début, Réuven Yver Shimon lui dit tu me dois de l'argent, il dit pas du tout, je te dois rien du tout. Après, on lui dit ok, jure, et il dit ah, peut-être que, mais je ne sais pas, je ne sais plus. En fait, le résultat des deux Ta'anot, il est exactement pareil. Pourquoi? Parce que un kofer bakol, s'il avait dit je te dois rien, qu'est-ce qu'il doit faire? Je vois Teset. Un monsieur qui dit Eni Odea Emil Vitani, je ne sais pas si je t'ai prêté, si je t'ai emprunté, quel est le résultat? Aussi, je vois Teset. Et il est niftar, il ne rendit pas tout. Dans ce cas-là, les deux, c'est un ptour. Ça s'appelle Toen vechozer vetoen minaptour et laptour. Et donc, Toen vechozer vetoen minaptour et laptour, il n'y a pas de problème. Il peut changer de version tant que le résultat des versions est identique. Et donc, là aussi, il sera juste trahiab de Shvuat Heset, parce que ça ne bouge pas, et il sera patour. Ah, c'est vrai que dans Enioda Milvitan, il doit, s'il veut, la Tzeti Deshamayim, il doit payer, tandis que dans Kofer Bakol, ce n'est pas le cas. Ça, ce n'est pas grave, parce que la Tzeti Deshamayim, ça ne nous regarde pas. Nous, en tant que Bedin, ça ne nous regarde pas s'il veut après être Yosei Deshamayim ou pas. D'accord? Donc, dans ce cas-là, c'est Toen Minaptour et Laptour, et par conséquent, en faisant une simple choix, ça, il sera Patour. Maintenant, on va passer à la deuxième catégorie de Enioda, la deuxième catégorie de Safek, d'un monsieur qui est dans le doute. Quel est le cas? Deuxième cas est le suivant. J'ai un mané que je t'ai prêté ou que je t'ai confié. Et l'autre il lui répond. Je sais que tu m'as prêté ou que tu m'as confié. Je m'en souviens très bien. Par contre, je ne sais pas si je t'ai remboursé. Un cas complètement différent du premier. Dans le premier, il dit je ne sais même pas si je t'ai emprunté. Je ne sais même pas si le chiyuv a eu lieu. Dans le deuxième cas, il dit, je sais qu'il y avait un chiyuv, mais je ne sais pas s'il y avait eu quoi? Un remboursement. Dans ce cas-là, ça change tout. Ça change tout. Puisque ici, on a ici une hoda'a sur le chiyuv, on a ici un aveu, il était chayav, et on a un safek sur quoi? Sur le remboursement. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Il est chayav de payer. Ici, ça a complètement changé la donne. Chayav le shalem. Ici, il doit payer. Dans ce cas-là, et uniquement dans ce cas-là, on dit « bari veshema, bari adif ». Si quelqu'un, il est « bari veshema », l'un, il est sûr et l'autre, il a un doute. Dans ce cas-là, on dit « bari adif ». Celui qui est sûr, il l'emporte. Mais attention, « bari veshema, bari adif », ce n'est pas une formule magique. Parce qu'on a vu que dans « Eni Odea Emil Vitani », on ne dit pas « bari veshema, bari adif ». On dit « bari veshema, bari adif » seulement s'il y a un « chiyuv » qui est en effet sûr et certain, comme ici. Parce que là, même le Nita'an, même le Nidba, Shimon donc, il avoue qu'il y avait ici un chiyuv, il avoue qu'il y avait ici une dette qui a commencé. Seulement, on a un doute, est-ce qu'elle a été remboursée? Dans le doute, est-ce qu'elle a été remboursée? Alors, puisqu'on a ici une certitude qu'il y avait une dette, et juste un doute, est-ce que ça a été remboursé? Dans ce cas-là, Hayav le Shalem, il est obligé de rembourser. En Brera. Veina Tovea Tzarich Lishava Afilu Shvuat Heset. Et le Tovea, donc ici, Réhouven qui réclame les sous, puisqu'il y a ici un aveu qu'il y avait une dette, il y a juste un safek, est-ce qu'il y a eu un remboursement? Il ne doit même pas prêter serment de Shvuat Heset. Ça veut dire, on aurait pu penser, ça c'est un clade, dans Shvuat Heset, si par exemple, Réhouven réclame des sous à Shimon, et Shimon lui dit, non, je ne dois rien. Alors le din c'est quoi? Le din c'est qu'il est chayav Shvuat Heset. Kofer Bakol, chayav Shvuat Heset. Non, il peut faire à l'envers s'il le souhaite. Shimon, il dit, moi j'aime pas prêter serment, je n'ai pas envie de prêter serment Shvuat Heset. On va faire autrement. Toi Réhouven, tu veux que je te paye? Toi tu es sûr de ton coup? Alors prête serment que je te dois de l'argent et je te promets, dès que tu prêtes serment, je te rembourse. Ça, on peut le faire. Les hapuchi shvuat de shvuat eset, ça, on peut le faire. Maintenant, ici, comme on a le cas de, dans notre cas de Eniodea imperaticha, je ne sais pas si je t'ai remboursé, on a une certitude qu'il y avait ici un prêt, mais on n'a pas de certitude, on a un safek, est-ce qu'il y a eu ici un remboursement? Dans ce cas-là, celui qui l'emporte, c'est qui? C'est Réhouven. Il l'emporte haut la main à tel point que bien que Shimon dit « je ne sais pas », Réhouven ne doit pas prêter serment. Bien que Shimon dit « je ne sais pas, peut-être que je t'ai remboursé », Réhouven ne doit pas prêter serment. Pourquoi? Il y a ici un klal que « Ein nishba'in al ta'anat shema ». On ne prête pas serment versus une ta'anat shema. C'est-à-dire que Shimon, ici ce qu'il dit à Réhouven, c'est quoi?
Peut-être je t'ai remboursé. Comment est-ce que tu peux me réclamer de l'argent? Peut-être je t'ai remboursé. D'accord? Je ne suis pas sûr. Alors, dans ce cas-là, peut-être que Réhouven aurait dû prêter serment. On dit non. Hey, Nishbarin la Ta'ana de Shimon, c'est quoi? C'est une Ta'ana Tchema. La Ta'ana Tchema, elle ne vaut rien. Elle est complètement effacée par la Ta'ana de Bari de la Halva, sur laquelle il y a ici unanimité. Alors, quelle est la solution? Parce que, par exemple, quelqu'un qui est. Il risque toujours de rencontrer des gens qui lui réclament de l'argent. Et lui, il va dire, quelqu'un qui emprunte par exemple beaucoup à différents gmachim, alors il ne sait plus, peut-être qu'il s'embrouille, etc. Quelle est sa solution? Il y a une solution qui est proposée par les Géonim. Il peut être Macharim. Macharim, c'est quoi? Nous dit le Shulchan Aruch, Imratza, Achrim, Cherem, Stam, Alkol, Mishenotel, Mimenu, Shelo, Kadim. Il peut faire un Cherem. Cherem, ce n'est pas vraiment une joie, c'est juste qu'il dit comme ça, que maudit, une sorte de malédiction, sera celui qui prend de moi des sous alors qu'il n'avait pas le droit de prendre des mois de l'argent, de moi de l'argent. Ça, c'est un cherem, ça s'appelle cherem hageonim. Ça veut dire que quelqu'un qui il est un peu dans le désarroi, il veut être honnête, il dit ni odé impératif, je ne sais pas si je t'ai remboursé. Mais d'un autre côté, il se fait attaquer de tous les côtés, tout le monde lui réclame des sous, et il a ici vraiment un doute, est-ce qu'il doit de l'argent? Alors il lui reste une solution ultime qui s'appelle cherem hageonim. Et ça, il peut réclamer au Bedin, que le Bedin lui fasse un cherem hageonim, et qu'il dise que tout celui qui prenne de l'argent de ce monsieur, et qu'ils l'ont pris chez l'Okadine, pas comme il se doit, alors ils seront en cherem. Bon, généralement, on espère que ça fait un peu peur aux gens, et comme ça, on ne va pas non plus trop l'attaquer à tort. Il y a ici juste une petite parenthèse par rapport au premier cas duquel on a parlé, Niodaim Laviti, Niodaim Ilvitiha. Je ne sais pas si je t'ai emprunté de l'argent. Donc on a vu que Niodaim Ilvitiha, on n'a pas la baloudine de Bari Veshema, Bari Adif, on n'a pas la baloudine que c'est le Tova qui l'emporte. Pourquoi? Parce que quand on a un doute sur l'existence même du prêt, qu'est-ce qu'on dit dans ce cas-là? On dit dans ce cas-là qu'il est Nishba, qui prête serment qu'il ne savait pas, qu'il ne sait plus en effet. Et il est complètement exempté. Alors, il y a une grande machloket à travers tout le Shulchan Aruch concernant une tfissa misafek. C'est quoi tfissa misafek? Quand on a un din qui est dans le doute, c'est-à-dire on a une machloket à poskim, et quelqu'un a saisi l'argent. Par exemple, j'ai une machloket à poskim sur. Pas d'exemple en tête, mais j'ai une machloket à poskim si cet argent me revient. Et je ne pose pas de questions, moi je le saisis. Je le saisis, maintenant il est dans ma poche. Qu'est-ce qu'on fait? Alors le klal, en vérité c'est une grande machloket. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Est-ce que mafkinan miyado ou est-ce que lo mafkinan miyado? Est-ce qu'on lui sort cet argent de ses mains ou est-ce qu'on lui laisse dans ses mains? Grande machloket à poskim. Au final c'est machloket Shulchan Aruch et Rama. Machloket. Est-ce qu'on le sort ou pas? La chita du Ramban, elle est que si quelqu'un était tofes chez l'Okadine, alors on lui prend de ses mains. Après, le Ramban, il est posek. Maintenant, nous dit le Ramban, dans notre cas, quand on a Eniodea Imlaviti, je ne sais pas si j'ai emprunté des sous, qu'est-ce qu'on a dit dans ce cas-là? On a dit que dans ce cas-là, Nishba Veniftar. Que se passe-t-il si le tover, il vient et il saisit? Il rentre dans la maison du Lové, n'est-ce pas? Parce qu'on a ici un emprunteur qui dit Nul Adem Il a Viti, mais moi je sais qu'il m'a emprunté des sous. Je rentre chez lui et je commence à prendre son écran, par exemple. D'accord? Alors, nous dit le Ramban que dans un cas normal, on dit que Tfissa Lomehane, Tfissa Misafek. Lomehane, puisque ici on a un doute, au final on a un doute, parce que toi tu dis qu'il t'a emprunté, lui il dit qu'il t'a pas emprunté. Nous on a un doute, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Alors, en temps normal, on lui prend de ses mains. Mais si personne ne l'a vu saisir, il est rentré la nuit, il a volé des choses de l'appartement. Alors dans ce cas-là, il est Néhéman de Migo, qu'il aurait pu dire Lohayud Varim Meolam. Un principe de Migo que tout le monde connaît, qu'il peut dire une Ta'ana, et on lui croit dans sa Ta'ana, Migo, que s'il voulait, il aurait pu dire autre chose, s'il voulait, il aurait pu dire une meilleure Ta'ana. Ici, sa Ta'ana, elle est de dire que j'ai saisi. C'est bien, c'est moi qui avoue que j'ai saisi ces biens, mais croyez-moi qu'il m'a emprunté des sous, parce que j'aurais pu dire quoi? J'aurais pu dire qu'en fait, je ne lui ai rien saisi. Puisque personne ne m'a vu, je l'ai fait en cachette, alors je peux dire, certes, je lui ai saisi des biens, et ça, c'est parce qu'il me doit de l'argent, et nous, on va être contraints de le croire, bémigo, parce qu'il a une némanoute, qu'il aurait pu dire, en fait, je ne lui ai jamais rien saisi.
Ça, c'est la chita du Ramban, parce que la chita du Ramban, elle est de dire que celui qui a saisi Misafek, Mafkinan Miyado, on lui prend de ses mains. Mais selon les chitotes qui pensent que si quelqu'un était au fest, l'homme Mafkinan Miyado, alors même si on le voit saisir, même si on le voit saisir, personne ne l'a empêché, mais on le voit saisir, dans ce cas-là, l'homme Mafkinan Miyado, parce que celui qui a été au fest, Misafek, l'homme Mafkinan Miyado, selon ses chitotes.